Bonjour à tous, c'est Anne-Sophie pour Ciné-Série Culture. On se retrouve aujourd'hui pour le 6e numéro du JT Théâtre. Ce JT du mois de janvier 2020 va s'articuler en deux parties. Les principales pièces à découvrir à l'affiche et l'actualité du théâtre en bref. Le mois de janvier marque la seconde rentrée de la saison théâtrale. Par conséquent, on retrouve en ce premier mois de l'année 2020 beaucoup de nouvelles pièces à l'affiche. Je vous propose donc ici une sélection de pièces à ne pas manquer en ce début d'année. Camille contre Claudel, qui fut mon coup de cœur lors de l'édition 2016 du Festival of d'Avignon, se joue actuellement à Paris au Théâtre Le Pic. Mais il ne reste plus que 3 dates pour y assister, ce week-end et jeudi 30 janvier. Écrite et mise en scène par Hélène Zidi, qui joue également dans la pièce aux côtés de sa fille Lola Zidi, la pièce a malheureusement été victime de la grève des transports qui s'éternise depuis début décembre. Un autre de mes coups de cœur au Festival of d'Avignon, édition 2018 cette fois-ci, se joue enfin à Paris. Il s'agit de « Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty ?» écrite par Éric Bu et Elodie Monin et mise en scène par Johanna Boyer qui réunit sur scène Céline Espera, Elodie Monin, Marc Pistolesi, Cédric Révolon et Mehdi Bourayou au piano. La pièce se joue depuis le 23 janvier au théâtre du Petit Montparnasse et vous avez jusqu'au 31 mai pour la découvrir. Deux autres pièces auxquelles j'ai également eu le plaisir d'assister au Festival of d'Avignon l'été dernier font leur première dans la capitale ces jours-ci. Il s'agit en premier lieu du Fantôme d'Asiadé avec Xavier Gallet qui met également en scène le spectacle avec Florian Azoulay d'après un texte de Pierre Loti. La pièce se joue au Théâtre Lucernaire depuis le 11 janvier et ce jusqu'au 11 mars. La deuxième pièce, écrite par Stéphane Guérin, se nomme « Aux mamans » et est mise en scène par Guillaume Santou, qui joue également dans ce spectacle aux côtés de Alison Paradis, Garance Bocobza et Michael Chérignan. La pièce est à découvrir à la Scène parisienne depuis le 22 janvier et ce jusqu'au 31 mars. La pièce Le Banquet, écrite et mise en scène par Mathilde Amé et qui a été créée au théâtre du Rond-Point l'an passé, est de retour depuis le 14 janvier au théâtre de Paris avec pas moins de 11 comédiens sur scène pour ce spectacle burlesque sans parole. Également au théâtre de Paris, vous pourrez assister à partir de ce soir, vendredi 24 janvier, à 10 ans après, la pièce de David Fenkinos mise en scène par Nicolas Briançon. Avec Bruno Solo, Mélanie Page et Julien Boisselier sur scène. La pièce est actuellement programmée jusqu'au 31 mars. Et enfin, au théâtre du Petit Montparnasse, à partir du 28 janvier, vous pourrez découvrir Marie Dépoule, gouvernante chez Georges Sand, écrite par Gérard Savoisien et mise en scène par Arnaud Denis, qui joue également l'un des deux rôles principaux aux côtés de Béatrice Agenin. La pièce qui a été créée l'an passé lors du Festival of d'Avignon est programmée jusqu'au 10 mai. Passons maintenant à l'actualité du théâtre, en bref. En Avignon, il n'y a pas qu'au mois de juillet que l'on peut assister à des pièces de théâtre. En effet, du 23 janvier au 9 février, la 12e édition du Festiver organisé par les Scènes d'Avignon permettra d'assister à 10 pièces dans les 7 théâtres partenaires. Il s'agit du Théâtre du Balcon, du Théâtre des Carmes, du Théâtre du Chêne Noir, du Théâtre du Chien qui Fume, du Théâtre La Factory, du Théâtre des Halles et du Théâtre Transversal. Et voilà, c'en est fini de ce 6e numéro du JT Théâtre. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à réagir à l'actualité dans les commentaires. Nous, on se retrouve le mercredi 26 février pour le 7e numéro. Et en attendant, je vous dis à très bientôt sur Ciné-Série Culture.